ils ont bondi tour à tour hors de leur cage, comme pour mieux profiter de ce retour à la vie sauvage. La mère lynx et ses trois jeunes ont été relâchés au petit matin, près de Châtillon, dans le massif du Jura. Sympa. Ouais, belles images. Quand je vois ces images, moi, ça m'émeut beaucoup parce que ça apporte beaucoup d'espoir, en fait, pour l'espèce. Et c'est un relâché familial, un relâché qui est vraiment historique. Et c'est une espèce à grande valeur patrimoniale qui est fondamentale pour notre écosystème. Et on peut être fier d'avoir une espèce comme ça vraiment dans notre région. Ouais, très bien. Ce centre spécialisé dans la sauvegarde de la faune sauvage a recueilli la mère lynx fin septembre. Percutée par une voiture, elle souffrait d'une fracture ouverte du tibia. Pas encore sevrés, les trois jeunes abandonnés à leur sort en pleine nature ont été capturés puis mis à l'abri pendant la convalescence de la mère, opérée dans une clinique vétérinaire de Dole. Les examens médicaux ont montré que la femelle victime de la route avait été auparavant la cible de braconniers. L'animal avait plusieurs plombs logés dans le crâne. Certains chasseurs n'acceptent pas que le lynx mange du chevreuil. Pour moi, il paraît impensable qu'il se mette au tofu. Le lynx vegan, ça n'existe pas. Il a besoin de manger des chevreuils pour vivre. C'est comme ça. Parmi la population en général, c'est un animal qui passe bien, comme beaucoup d'espèces sauvages chez nous. Je pense que la plupart des chasseurs, d'ailleurs, sont soit indifférents, soit cohabitent facilement avec l'espèce. Je pense que ceux qui sont un peu réfractaires, ce sont des gens qui manquent de réelle information, je pense. Les spécialistes de cette espèce protégée estiment qu'il y a entre 100 et 120 lynx dans le massif du Jura. C'est la principale population de lynx en France.